Il faut obéta mutuna miso tona monoko tona mapumbu nde andibale wana ezala kate mena mabolongo andibale bango wana ezali eza esika nyoso omoni biloko na bango yango wana ndenge kagami azokosa bato alobio Congo 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 M23 wana eza batu na bino ya Congo wana azokosa eza kaka ekipi na ye nani brigade na ya komando ndezo bunda na Congo kotoyo yango nde tozo bunda na ngoko kotoyo yango nde tozo bunda na ngoko kotoyo tobumaki bango tozi biloko na bango yo lelo na ngomba ya Sibunyonyi te tozalaki ngambo na ngambo na ngambo na ngambo na ngomba na nani na ngomba ya mbuzi Ruvumu wana to bandaki front à 6h du matin ti to komina wa 15h to zobunda nde to bumaki wango ti to longola longola bango biloko oyo to zui biloko na bango oyo nde yango na zoti nango na lingina ti nango na réseaux sociaux po mutu na mutu amona ngo ndenge Kagame nde azobunda nde azobundisa Congo. Ah, wana boye bandenge bitumbo tozo bunda eza Congo contre Rwanda ezali koloba o teo eza M23 o po bobola bango kokotsa bango na gouvernement nezo tika ba bunda eza lukuta eza lukuta oyo nde brigade d'intervention ya Kagame lukula ndenge ozo komona epa president Tshisekedi kuna JR ozo komona ba JR ndenge bazala kawana na lupango ya Tshisekedi. Oyo nda intervention ya nini ya Kagame onde protection ya Kagame siko ndazo tinango na Congo baba bundisa Congo bozo mona kaka biloko wana botali yango malamu soki na bomoni yango ekweli yo na epana yo na réseau na yo wa WhatsApp yo tinila. Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision où nous recevons messieurs Adalbert Kiyenge. Messieurs, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes. Ce matin, nous avons encore le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité pour parler de la question liée à la sécurité, surtout dans cette partie du Nord qui vous précisément dans les Rutshuru. Messieurs Adalbert, vous êtes l'un des fils de cette province. Vous suivez en tout cas de près et de loin ce qui se passe dans les Rutshuru. Quelles sont les dernières informations que vous avez? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'information, c'est toujours l'insécurité, puisque ces derniers temps, être voisin du Rwanda, c'est comme si on est maudit quelque part, c'est vivre la malédiction tous les jours. Et je pense que nous avons appris avec tout le monde que les M23 attaquaient Rumangabo, ils attaquaient les positions du FRDC vers Damugenga, dans les groupements de Bweza, dans les Rutshuru. Et malheureusement, ils ont encore été défaits. Et ce sont des jeunes gens qui meurent inutilement, sans les savoir pourquoi ils meurent. Moi, je pense que c'est encore une fois de plus un appel à toute personne de bonne foi de cesser avec les violences, parce que ça fait partie de l'insécurité qui fait déplacer et de déplacer des personnes qui vivent encore dans la pauvreté totale, dans la souffrance totale. Ajouter à cela encore les déplacements et la guerre, en tout cas c'est atroce pour cette population de Rutshuru. C'est un appel à ces jeunes gens du M23 et du Rwanda de chercher à faire la paix avec tout le monde. Si on veut réclamer quelque chose, il faut le réclamer officiellement et pacifiquement, comme nous tous nous sommes en train de faire dans les partis politiques. Nous revendiquons nos droits pacifiquement, et surtout que nous avons maintenant un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un président qui est là pour le service du peuple. Lui-même l'avait dit, le peuple d'abord, et nous sommes en train de sentir qu'il est en train d'écouter le peuple, qu'il est en train d'écouter la population. C'est un président qui ne
n'est pas dictateur, il est de la formation de la démocratie. C'est un président qui a lancé même un message à ses groupes armés. Il les a demandé de se désolidariser, en tout cas des agresseurs de la République. Et moi, je pense que c'est une plie à l'époque là où nous avions un président dictateur. Nous sommes à l'époque là où chacun a sa place dans la société, là où nous devons nous unir comme nation, comme peuple et chercher notre bonheur à tous. Quand vous dites par exemple, c'est pas à l'époque où on avait un président dictateur, là vous voulez faire allusion à quel régime? Vous savez, nous avions un régime qui n'étirait que ses forces dans la formation des groupes armés. Personne n'ignore que le régime du PPRD et de Kabila, c'est un régime qui constituait, qui n'avait que sa force dans les groupes armés, le régime qui n'avait pas les soucis de la population, un régime qui avait des officiers qui créaient des groupes armés, un régime qui donnait à des bouviers des grades et des colonels, des grades et des généraux. Vous imaginez un seul territoire comme Massis a pris des 11 généraux. Vous êtes en train de vous imaginer. Est-ce encore que c'est vrai ça? Je peux vous citer les noms. Je peux vous citer les noms ici. Non, ça ne vaut pas la peine, mais comme ce sont des généraux qui ont suivi la formation, oui, le parcours. Non, qu'un bouvier peut suivre la formation ou pour être général. Est-ce que vous avez déjà vu une armée qui est composée plus d'officiers que des soldats des rangs? Ça, c'est en tout cas, c'est un régime. C'est un régime qui a fait infiltrer les Rwandais dans notre armée, dans notre système de défense et de sécurité, et nous sommes en train de déplorer. Maintenant, nous avons un président qui est en train de constituer une armée forte pour la défense territoriale. Je pense qu'il n'y a plus raison de faire encore la guerre. Les gens qui disent qu'il y a des accords, moi je préférerais qu'ils nous montrent ces accords-là privés qu'ils ont signés avec la République. Sinon tout le monde va chercher à signer un accord avec la République. Sinon faire déplacer des familles pendant des décennies dans les territoires de Rutshuru, en tout cas pour moi c'est être extrêmement criminel et ils paieront un jour sur ça. D'accord, revenons sur les affrontements d'hier mardi. En tout cas, après nous avons appris que les FARDC vraiment ont infligé une perte énorme au M23, et d'ailleurs nous voyons aussi les images qui circulent sur les réseaux sociaux, quelques équipements militaires abandonnés par les rebelles du M23, notamment des bottes, des caoutchoucs, il y a également des gilets pare-balles, des casques et tout. Comment comprendre cette pression que les militaires mettent sur l'ennemi? Vous savez, auparavant, on avait des militaires infiltrés dans l'armée, des gens infiltrés. Et moi, je ne peux pas cacher, ce ne sont pas, les M23 n'existent pas. Il n'y a que les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si la finalité des gouvernements rwandais, ça sera jusqu'à arriver jusqu'où et faire mourir des gens pour rien comme ça. Puisque nous sommes dans la même organisation, l'East Africa Community. C'est une organisation qui donne à tout citoyen de circuler dans la sous-région librement et de faire ses activités économiques librement. Et moi, je ne sais pas pourquoi, quand on entre dans une même organisation sous-régionale, économique, c'est là que les Rwandais cherchent à déstabiliser l'Est. Il y a un agenda caché. Mais je vous dis qu'actuellement, nous avons maintenant une armée républicaine, une armée qui ne recule pas. Auparavant, vous saviez, ce sont des gens qui se rendaient toujours. On nous disait, il y a une bataille qui s'est rendue du côté de l'ennemi. Mais actuellement, on ne sait pas d'abord d'où viennent ces militaires. On ne sait pas, ils sont composés de qui. Et on a changé des commandants de ces militaires. Et des commandants qui sont des patriotes congolais et non pas les infiltrés au sein des Congolais. Les gens qui ne girent que pour accéder la souveraineté de notre pays, les gens qui ne girent que pour les Rwandais et par les Rwandais pour déstabiliser l'Est de la République, c'est tellement aberrant. Mais actuellement, nous avons maintenant un président qui a les soucis de l'intégrité territoriale, qui a les soucis du peuple congolais, et là, l'armée est en train de se reconstituer et en train de se recomposer et en train de prendre de l'élan et en train de chercher à se constituer comme une armée forte ici en Afrique centrale. Et je pense que c'est ça les fruits même les résultats de cette armée. Il ne faut pas que les Rwandais continuent à croire que, en tout cas, nous avons encore des pelotons, des milliers des officiers infiltrés et qui ne géraient qu'au profit du Rwanda et trahir la République démocratique du Congo. J'ai l'impression que les Congolais pernichent trop, dénoncent trop toute cette agression du Rwanda sur les sols congolais. On va continuer à pernicher jusqu'à quand? Nous ne sommes pas en train de pernicher. Vous avez vu que la guerre est devenue une guerre tellement populaire.
de telle sorte que la population elle-même cherche à aller se battre, à aller se faire tuer. Au Rwanda, ils étaient prêts à traverser la frontière. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme si la population était habituée à la mauvaise gestion qu'avaient implanté les PPRDs et tous les régimes de Kabila. Ils étaient habitués à une armée qui ne résistait pas à une petite agression. Ils étaient habitués à la trahison, ils étaient habitués à la corruption. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Le patriotisme est en train de s'installer. L'essence même du sérieux, l'essence des responsabilités que nous allons léguer à nos enfants est en train de s'installer. Vous savez, c'est tout le monde maintenant qui s'implique dans cette guerre. Ce n'est plus une guerre qui concerne une catégorie déjà, mais c'est une guerre qui concerne tous les Congolais. Et moi, je pense que c'est un appel pour Kagame et son gouvernement de ne pas chercher à créer toujours les conflits entre les deux peuples, les peuples rwandais et les peuples congolais. Puisque le problème qui est là, c'est un problème qui ne concerne pas les peuples rwandais. C'est un problème qui ne concerne même pas les peuples congolais. C'est un problème qu'un gouvernement rwandais veut imposer au peuple, en attaquant les peuples congolais, il veut imposer quelque chose au gouvernement congolais. Et maintenant, nous avons une armée qui est là pour la défense et la sécurité, et un chef de l'État qui est le commandant suprême, soucieux. Il est en train de commencer à bien traiter même les militaires. Leur soldat arrive à temps, vous voyez même les équipements, l'armée bien équipée, même s'il y a encore à faire. Mais quand même, c'est une armée qui ne trahit jamais et qui n'est pas en train de trahir. Nous sommes en train de voir comment, on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent au front, on ne sait pas quand est-ce qu'ils traversent. Ce n'était pas les cas habituels tels qu'on le voyait ici dans les temps. Mais monsieur Adalbert, permettez, j'ai l'impression, en suivant en tout cas vos propos, vous revenez trop et vous semblez mettre en cause en tout cas la gestion du régime passé de Kabila. Et vous savez que Kabila n'arrive au pouvoir, c'est un président qui a hérité un pays vraiment presque déchiré par la guerre, et c'est le président qui a presque tout fait pour mettre les Congolais ensemble, quand même au-delà de tout ce que peut-être vous, tous les mâles qu'a commis, je ne sais pas s'il y en a, bien sûr, mais vous ne pouvez pas quand même ignorer ou oublier les bonnes choses que Kabila a fait pour ce pays. Kabila avait fait quoi pour ce pays? C'est bien ce qu'il avait fait, mais malheureusement, les prix à payer pour tout ça, c'était de trahir la République. Comment il fallait donner au Rwanda, il fallait se courber derrière les caprices du gouvernement rwandais. C'est ça le grand problème. Et pour ça, il fallait signer des accords avec le Rwanda, qui donnaient je ne sais pas quoi au Rwanda, ce qu'ils sont en train de réclamer jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont signé des accords avec le Rwanda. Moi, je pense que c'est lui qui a mis hors de concert des nations ces pays, c'est le régime de Kabila. Le Congo n'existait pas comme nation, le Congo n'existait pas comme État, le Congo existait que des noms. On n'existait pas dans les concerts des nations. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes un pays francophone en Afrique centrale, mais quand il fallait donner les postes de responsabilité de la présidente, de la présidence de l'OIF, de la francophonie, on a donné ça au président au Rwanda. Moucheki Wabu. Ça, on ne considérait pas. Et pourtant, le Rwanda, c'est un pays du Commonwealth. Kagame est devenu encore le président du Commonwealth. Et comment il peut être en même temps président du Commonwealth et prendre la présidente de la francophonie? Tout ça, c'était jeter de l'opprobre sur le Congo. Mais là, aujourd'hui, que le Congo s'élève, le Congo a un président qui remet encore les Congolais dans sa dignité, dans les concerts des nations, on commence à nous respecter, nous pouvons parler, on nous considère, nous pouvons mettre en déroute une armée rwandaise. Ça faisait, à l'époque, on faisait seulement deux jours, trois jours, les Rwandais occupaient la ville de Goma. Mais aujourd'hui, ils sont incapables. Ils sont en train d'être tués. Et on nous parle que les officiers supérieurs, les colonels, ils sont en train de tuer. Ça, c'est une armée congolaise qui est en train de le faire avec la volonté du chef de l'État, avec la détermination, puisque nous sommes en train de rentrer encore dans les concerts des nations comme État. Et là, on doit nous considérer. On doit nous considérer, parce qu'on dit toujours la guerre, c'est la continuité de la politique qui a échoué. Et si tu es fort, on te craint. Si tu es faible, on t'écrase. C'est ce qui était là. Kabila était un gouvernement faible. De tout ce que nous étions écrasés par les Rwandais, les Burundis et l'Ouganda. Des petits pays avec des petits peuples comme ça, on nous écrasait. C'était l'humiliation des Congolais. Mais actuellement, c'est le Congo qui régnait de ses cendres. Mais monsieur Adelbert, vous savez que c'est sous Kabila qu'on a défi les M23, vous le savez. Et qu'est-ce qui a suivi? On a défié les M23, mais qu'est-ce qui a suivi? Est-ce que les M23 n'est pas encore là? Les M23 existent, continuent à exister. C'est sous Kabila qu'on a tué Mamadou. C'est sous Kabila que les ADF ont fait de l'ascenseur dans les Beni. C'est sous Kabila que nous avons eu 150 groupes armés. Les Nyantura, les Mai Mai Mazembe, les Mai Mai Yakutumba, les Mai Mai APCLS, tous ces gens-là, c'est sous Kabila, ils étaient financés par les officiers de Kabila.
Comment ça? Et pourquoi ne pas les démobiliser si vous avez dit qu'il avait réunifié la République? Il avait, c'est bien, réunifié la République, mais il fallait donner au Rwanda ce qu'il fallait. On avait donné, on avait laissé au Rwanda tous les minerais de l'Est ici. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, ils mènent la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont asphyxiés économiquement. C'est pour cette raison que le Rwanda est en train de faire ses gesticules, mais qui vont finir par les ruiner à la fin. M. Dalbert, j'ai l'impression que petit à petit, Kagame devient l'homme fort de la région. Non, l'homme fort, ça ne se décrète pas. S'imposer. L'homme fort, être fort, ça se voit quand même. Écoutez d'abord. Ça ne se décrète pas être fort dans le concert des nations. C'est-à-dire quoi? Chaque État a la vocation d'être grand dans le concert des nations. Et là, ce sont des relations, les relations d'intérêt qui comptent entre tout. Kagame, à un moment donné, il avait le leadership régional. Aujourd'hui, il fait quoi? Il s'impose où? Tous les présidents. Il est en train de perdre le combat. C'est-à-dire Kagame sait faire les protocoles, ça il faut l'accepter, il sait montrer le bon sens. Et lui, c'est couvre sur le Congo pour montrer qu'il est formé. Ne vous en faites pas. Et il a un soutien des grandes puissances, vous le savez. Non, il n'y a pas de soutien des grandes puissances. Pour trouver quoi au Rwanda? Les grandes puissances aujourd'hui, c'est les États-Unis, mais ils sont défaits par la Russie aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire, il n'y a pas question de grandes puissances. Au lieu de passer par le Rwanda, les grandes puissances ont intérêt à venir directement au Congo et la porte est grandement ouverte. Mais dis-moi, qui sont pas derrière, par exemple, derrière la RDC, parmi les soutiens, si les prêts? Vous savez, les survies économiques du Rwanda dépendent de la RDC. Il n'y a rien au Rwanda. Si on fermait les portes pour le Rwanda ici en RDC, en tout cas, ça sera une catastrophe au Rwanda. Mais le grand problème, c'est celui-ci, c'est puisque seulement nous avons un président qui n'est pas démocrate au Rwanda. C'est un président qui pense gérer la République d'une manière encore traditionnelle. Mais il est apprécié par son peuple. Bon, le peuple rwandais, c'est un peuple qui est pris en otage. Et on ne peut pas, en tout cas, se fier à ces peuples-là. C'est la bonne démocratie. C'est un peuple que nous pouvons libérer. D'un moment à l'autre, quand nous prendrons le leadership sous-régional, le peuple rwandais doit être libéré puisqu'ils sont pris en otage par un dictateur au pouvoir. Et là, c'est la bonne démocratie, M. Dalbert, parce que c'est... Et la démocratie, comment vous définissez la démocratie? Par les élections? C'est comme ça que vous définissez la démocratie? Est-ce que vous pouvez parler de la démocratie au Rwanda? Est-ce que vous pouvez parler des droits de l'homme au Rwanda? Est-ce que vous pouvez parler de la liberté d'expression au Rwanda? Est-ce que vous pouvez parler de la liberté de presse au Rwanda? Je pense que c'est ça la démocratie. Et moi, je pense que s'il faut prendre le modèle, ce n'est pas le Rwanda. Ici au Congo, nous exprimons librement. Ici au Congo, nous créons des partis politiques librement. Ici au Congo, la presse, il y a des multimédias qui existent à la République démocratique du Congo. Ici au Congo, on organise des élections, même s'il y avait un régime qui volait les élections, mais on organise les élections. Ici au Congo... C'est tout ça Kabila qui est venu avec tout. Hein. Ça, il faut l'avouer. Kabila, il est venu avec quoi? Kabila, il est venu avec quoi? C'est le président qui nous a organisé les élections, monsieur Dalbert. Je ne suis pas venu parler de Kabila ici. C'est quelqu'un qui a tué ce pays, c'est quelqu'un qui a divisé les Congolais, c'est un régime que les Congolais étaient maudits, les Congolais étaient humiliés par tout le monde. Le régime de Kabila, jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense que cette émission ne concerne pas Kabila. S'il faut parler de Kabila, il faut m'inviter un autre jour. Mm-hmm. Mais je vous dis que Kabila, pour moi, c'est lui le cauchemar pour les Congolais. Bon, c'est lui qui était le malheur des Congolais. Il a fait semblant de réunifier les Congolais, mais ce n'était pas sa volonté, c'était la volonté du Rwanda et tous les Occidentaux. Mais pour le faire, il fallait payer les prix à Kagame. Et c'est ça la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, puisqu'on nous parle des accords signés par les Rwandais. Ces accords cachés là, où sont-ils? Il faut que nous les voyons. Depuis Kabila a été au pouvoir, il n'y a jamais eu un seul jour sans... pour que ça ne crépite pas ici à l'Est. Est-ce que depuis que Kabila a été au pouvoir, est-ce que nous avons été déjà en paix? C'est toujours le dialogue social, c'est toujours les accords, c'est toujours les histoires là de mise ensemble des troupes. On appelait encore ça quoi? La consultation. Non, pas les consultations. Dans l'armée ici, quand on mettait les troupes, les mixages, les brassages, c'est ça les termes. Pour chercher la paix. Non, pour chercher la paix avec qui? Est-ce que nous avons déjà la paix? Qui armait ces groupes armés? Qui les armait? Quand vous donnez à une seule ethnie plus de 30 généraux dans ces pays, et le reste, qu'est-ce que vous pensez? Encore déjà infiltrés dans l'armée? Non, on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est-à-dire, Kabila ne faisait que jouer les jeux du Rwanda. Et pensez-vous que le président Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, c'est le président que les Congolais attendaient?
L'actuel chef de l'État qui se quitte d'abord, lui, c'est un Congolais connu des pères et des mères. L'actuel chef de l'État. C'est président quand même. Écoutez, là, c'est un parvenu, on ne connaît pas d'où il est venu. S'il vous plaît. D'ailleurs, c'est ça les malheurs des Congolais. C'est ça les malheurs des Congolais. Écoutez, c'est ça les malheurs des Congolais. Quelqu'un vous arrive, il est nouveau comme ça, vous l'élisez comme président. C'est ça, c'est le sentimentalisme qui a animé les Congolais. Mais ici, nous avons Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un combattant, c'est un militant de l'IDP. Il vient de quelque part. Nous connaissons son papa, nous connaissons sa maman. C'est un Congolais connu par tout le monde. Il a fait la politique dans son parti politique qui est l'IDPS. Il était secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie dans l'IDPS. Je pense qu'il a fait la politique là-bas. Il a grandi dans la politique de son papa. Nous, nous le connaissons. C'est un président, parmi dans ses actes, nous sommes en train de voir que c'est un président qui ne veut pas trahir le Congo. C'est un président qui a dit pour la première fois que nous sommes agressés par les Rwandais. C'est un président qui l'avait dit. Kabila ne l'avait jamais dit que nous étions agressés par les Rwandais. Il ne l'avait jamais dit. Mais c'est un président qui dit clairement nous sommes agressés par les Rwandais. Ça, c'est un président patriote. Et il met en place des moyens pour que les Rwandais soient défaits. Et nous sommes en train de vivre. Vous-même venez de me montrer ici les images sur les réseaux sociaux, comme quoi on est en train encore de les tuer en bourse comme ça. Les chers Akano qui se sont placés là-bas. Bon, les Rwandais. Les militaires rwandais qui sont en train d'être tués. Ce sont des rebelles de M23. Est-ce que les éléments là que vous m'avez montré, ce ne sont pas les tenues du Rwanda? On ne sait pas. Les rebelles, on ne sait pas, on nous connaît. Non, les rebelles les trouvent où? Les rebelles les trouvent où? Ils sont logés où? Ils viennent au Congo en provenance d'où? Ils sont dans la brousse où? Ils viennent au Congo en provenance d'où? Où est-ce qu'ils trouvent des armes? Où est-ce qu'ils trouvent des munitions? D'accord. Au Congo, on fabrique des munitions. Moi, je pense que nous ne pouvons pas être lâches. Le président Tshisekedi a clairement dit aux Congolais que nous sommes agressés par les Rwandais. Et moi, je le répète et je relève le message. Nous sommes agressés par le gouvernement rwandais. Nous devons être vigilants et dénoncer tout mouvement suspect. D'accord. Pour finir, vous allez regarder ma caméra et lancer les messages à l'armée congolaise qui est en tout cas sur le terrain où nous apprenons aujourd'hui des avancées côté FARDC. Merci beaucoup pour nos FARDC. En tout cas, nous sommes très reconnaissants de ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Vous donnez encore de l'honneur à notre pays, vous donnez de l'honneur à notre président. C'est un président qui est derrière vous, un président qui met tous les moyens, un président patriote. J'en appelle à toute la jeunesse, puisqu'aujourd'hui il y a recrutement dans l'armée, à toute la jeunesse de se faire recruter massivement dans l'armée congolaise et défendre l'intégrité territoriale. Et les FARDC, courage, 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 nous sommes derrière vous et nous vous soutenons tous. Dieu va vous bénir et Dieu va vous aider. Merci beaucoup. C'est par ce message de soutien au FARDC que nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci, Monsieur Adalbert Kiengui. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée au Nord Kivu. Vous êtes également du parti politique ASEN, c'est ça? Oui. Cher au sénateur Célestin Vunabandi, voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis le porte-parole de l'Union Sacrée au Nord Kivu. Merci. Merci, merci, messieurs les porte-parole. Merci également de nous avoir regardés. On fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Restez branchés sur Congo Live. Abonnez-vous et likez, laissez vos commentaires. Nous vous disons bye bye.